Alors dans cet exercice, on vous demande d'implémenter une liste chaînée, donc vous devez implémenter la méthode add, sachant que tous les éléments que vous rajoutez dans l'ordre croissant, on aura une liste avec les éléments dans l'ordre croissant. Et on nous demande aussi de retirer ici, de créer une nouvelle liste, un nouveau résultat, une nouvelle liste, avec les éléments dupliqués, retirés. Donc chaque valeur doit apparaître dans l'ordre croissant une seule fois. Donc on va commencer ici par la méthode add, et vous voyez qu'il y a une sentinelle ici, une référence vers la tête de la liste et vers la fin de la liste. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Il faut bien différencier les cas de la liste vide et de l'autre cas où la liste n'est pas vide. Donc si elle est vide, on sait que first est nul. Alors si la liste est nulle, on va créer ce nouveau nœud. Et on va y mettre la valeur v. Okay. Et la suite est nulle, voilà, comme ceci. Et le last sera en fait égal au first dans ce cas-ci. Ok. Si elle n'est pas vide, vous devez en fait ajouter un nouvel élément à la fin. Donc vous pouvez faire last.next égale new node v, et puis vous mettez le dernier pointe vers nul. Ok, mais ne pas oublier de mettre à jour le last, évidemment. Et donc le last.next est en fait égal. Non, le last égale last.next. Okay, on a fait progresser, on a fait avancer d'un élément le last. Ok, ça c'est pour le add. Et après, il reste encore à faire le clean de cette liste. Okay, donc le clean de cette liste. Pour ce faire, on va créer une liste. Vous voyez qu'on doit retourner ici un nouveau résultat et ne pas modifier la liste courante, ne pas modifier la liste this. Donc je vais faire ici créer une nouvelle instance de ma liste, result. La voici. Et puis je vais parcourir tous les éléments de ma liste. Et pour parcourir une liste chaînée, ben, vous avez besoin d'un pointeur vers un nœud courant. Donc on va le créer, on va l'appeler current. Et on va commencer en tête de liste, ce sera first. Voilà. Et donc dans le résultat, on peut directement. Je suppose ici que je n'ai pas de cas particulier, bien que je pourrais traiter ce cas-là. Result.add. Donc je réutilise ma méthode add que j'ai créée et je vais prendre first.v. Voilà. Ensuite, tant que mon nœud courant n'est pas nul, je continue et je vais aller chercher, avancer de cette manière-là. Donc, je vais faire current égale current.next. Et là, je progresse d'une étape d'un nœud dans l'itération de ma liste. Et je vais ajouter le nouvel élément à result. Si le dernier élément qui se trouvait dedans est bien différent de l'élément courant. Okay, donc s'il est bien différent, alors je peux l'ajouter pour et de cette manière je vais filtrer tous les dupliqués. Et alors je l'ajoute en faisant result.add v. Oh, pardon, current.v. Et puis à la fin, je retourne ma liste résultat. Ceci devrait fonctionner, mais on teste. On n'est jamais à l'abri d'un bug, évidemment. Et dans ce cas-là, sinon, on débug. Ça fonctionne du premier coup, on a de la chance.